Mehdi Terki, quel match ce soir, hein? Ouais, c'était un match agréable pour en tant que joueur et pour les supporters également. C'était un match ouvert. Ok, un peu déçu de ne pas prendre les 3 points. On avait les occasions pour, mais eux aussi auraient pu marquer. Voilà quoi, on prend 1 point ce soir et c'est bon quand même. C'était un match très physique, hein, je pense. Tout le monde va dormir bien ce soir. Ouais, franchement, personnellement, j'ai beaucoup donné. À la fin, les dernières minutes, j'avais un petit peu de mal. Je pense aussi les autres joueurs, mais on a beaucoup donné, on a couru beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Racontez un peu de match, parce que ça semble que les deux équipes peuvent marquer tout le temps. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ça peut tomber du côté de Zultoregem comme ça peut tomber de notre côté. Eux, ils ont des occasions. Kopa, il fait un grand match aujourd'hui, il sort 2-3 arrêts exceptionnels. Et nous aussi, on a 2-3 face-à-face, des occasions en or où on doit marquer. On ne les met pas dedans, ok, c'est le football, c'est comme ça. Ils jouent très bien derrière et voilà quoi. Il y a une grande différence que le Lokeren de ces trois dernières semaines et le Lokeren avant, hein? Ouais, bah là, on est beaucoup plus compact défensivement. Offensivement, on se crée beaucoup plus d'occasions, on joue mieux au ballon. Bon, c'est agréable, on travaille beaucoup plus à l'entraînement aussi et voilà quoi, on est récompensé. Et toi aussi, tu joues à votre meilleur niveau, je pense, hein? Ou qu'est-ce que tu dis? Bah, je regarde plus le collectif. Ok, personnellement, c'est vrai, l'entraîneur me donne beaucoup de confiance. Et j'essaie de lui rendre la même sur le terrain. J'essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain parce qu'il me donne beaucoup de confiance et c'est agréable. Et maintenant, c'est un match important contre Westerlo. Quand on gagne, il y a beaucoup possible. Hein? Ouais, voilà, c'est un match clé. Ok, on ne doit pas les sous-estimer. Westerlo, c'est une bonne équipe aussi également. Ce n'est pas parce qu'ils sont derniers qu'on va comme ça, qu'on va gagner directement. Non, on doit y aller. On doit être concentré, on doit bien travailler en entraînement et j'espère qu'on va prendre les 3 points la semaine prochaine. Dernière question, avec 7 niveaux, l'Algérie, il y a un coach là-bas qui te connaît. Hein? Ouais, l'Algérie c'est un rêve, c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais pour l'instant, je me concentre plus sur le Lokeren, on a une saison à finir et on verra ça par la suite. Ok, merci bien Mehdi. Okay. Salut. Merci. Hein?